tiens à vous rassurer, je suis l'avant-dernière. Mesdames et messieurs, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire et son conseil municipal nous accueillent. Mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mon colonel, je ne reviendrai pas sur le volontariat, sur votre présence, sur le territoire ruraux. Je voudrais revenir sur deux faits. Le premier, j'ai pu assister à votre, être à vos côtés pour un combat de feu de forêt. On m'a demandé, M. Pozac, qui est en face de moi, le chef de centre de Montron, a proposé de venir voir comment vous, les soldats du feu, les hommes et les femmes, vous battiez collectivement, solidairement. La tête m'a expliqué, la tête de feu, vos places, vos responsabilités. Et c'est vrai que j'ai vécu un moment de fierté d'être à vos côtés. Peut-être pas on s'en serait passé, vous me dites, mais je voudrais encore saluer au colonel, l'organisation, cette solidarité qui existe dans les centres de secours en Périgord vert sur nos territoires ruraux. Et un deuxième fait, je voudrais saluer aussi, tiens, je vous dis, Christian, qui est en face de moi, dans son site de Christian. Donc voilà ce que je veux dire encore, mon attachement aux sapeurs-pompiers, je remercie le chef de centre Christophe Chabrol. Quand on passe par ces moments-là, ce sont ces pensées que l'on a aussi. Des familles, des personnes qui attendent. Et je peux vous dire que ce fait-là me fait davantage aussi développer mon attachement à notre territoire rural, mon attachement à tous ces centres de secours, ce territoire. Et quand je discutais tout à l'heure avec Marc, vous appelez Marc, je reviens à votre prénom, vous me disiez que vous acceptiez vraiment cette volonté, cet engagement de servir pour la commune d'Abja et tous ses environs, parce que sur les territoires ruraux aussi, on a besoin de vous. Alors, Néné, tout le monde vous appelle Néné, René, bonne retraite, mais je pense que vous allez avoir aussi beaucoup d'occupations, beaucoup de satisfaction. Et c'était une belle passation de pouvoir, entourée de tous ces jeunes, entourée des drapeaux et entourée, bien entendu, aussi de la musique et de tous les chefs de centre qui nous accompagnent. Merci à tous et bonne soirée.